Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je kiffe les trucs un petit peu DIY, les trucs un petit peu fait maison. J'ai déjà fait des vidéos sur la fabrication d'une mallette, sur de l'impression 3D, tous ces genres de petites choses. Et il y a quelques temps, vous le savez, j'ai passé les 10 000 abonnés. Et moi je fais du contenu Yu-Gi-Oh français, tu vois. Et je sais que 10 000 abonnés, c'est sûrement un des plus gros chiffres que je vais atteindre. Et par curiosité, j'étais regardé un petit peu les trophées YouTube, à partir de quel nombre d'abonnés tu reçois un joli trophée de chez YouTube. Évidemment, c'est à partir de 100 000. Et je me suis dit, c'est dommage parce que les 10 000 abonnés sur du contenu pur comme Yu-Gi-Oh, c'est sûrement l'équivalent de 100 000 ou 200 000 sur du contenu très mainstream. Et j'ai trouvé ça dommage de pas avoir de trophée. Voilà, tout simplement, je me suis dit, mais... tu vois, genre, mon petit ego en a pris un coup et je me suis dit, ok, écoute, c'est pas grave. J'en suis conscient que j'aurai jamais de trophée YouTube à travers, bien simplement, ce contenu-là, puisque, sauf explosion demain de Yu-Gi-Oh, ce que j'espère en soi, mais je pense pas que ça atteindra dans tous les cas 100 000 abonnés, je vais me créer mon propre trophée, tout simplement. C'est parti de cette contestation-là, vraiment, ça m'a pété au casque. Je me suis dit, ok, je sais que j'en aurai jamais, je vais m'en fabriquer un, tout simplement. Donc, il est juste ici. Voilà, il est juste ici. Hop, je peux vous le montrer, hop là, très très rapidement. Alors, je pense que vous avez eu le reflet, vous avez rien vu, c'est très bien. C'est un truc que j'ai fait moi-même du coup, sans chercher de tutoriel ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ok, à quoi ça ressemble? J'ai envoyé des messages à des connaissances à moi qui ont 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés pour avoir tout simplement leur trophée en photo, pour essayer de reprendre, de faire une copie tout simplement. Désolé YouTube, ce n'est pas un trophée officiel, je ne cherche pas à vous plagier ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste pour le délire de se dire, ok, je me fais un trophée. Je tiens à le préciser aussi dans ce début de vidéo, ce n'est pas un trophée officiel. Si vous passez les 10 000 abonnés, vous n'aurez pas de trophée, sachez-le. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ça moi-même. J'ai décidé également de tout filmer parce que je trouve ça beaucoup trop satisfaisant. J'aime trop ce genre de timelapse où tu peux regarder étape par étape. Et donc, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Vous avez toutes les étapes, vraiment toutes les étapes. Dites-vous que l'impression que vous allez voir en timelapse sur quelque chose comme 30 secondes, ça a duré plus de 5 heures en réalité. Donc voilà, c'est sûrement très satisfaisant pour vous. En tout cas, j'espère que ça sera le cas. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement. Pour le coup, voilà, c'est pas du contenu Yu-Gi ou quoi que ce soit, c'est vraiment un contenu où je me suis dit, ok, j'ai envie de le faire, c'est ma chaîne YouTube, 10 000 abonnés c'est quelque chose d'énorme pour moi aujourd'hui, donc j'avais simplement envie de kiffer avec vous, j'espère que ça vous fera kiffer également, et c'est parti pour cette timelapse. Je vous ferai un reveal du simplement tableau et du trophée entre guillemets, après la timelapse en fin de vidéo.
Et bien voilà, vous avez vu la timelapse et puis le reveal, le sort de petit shooting photo que j'ai essayé de faire à la fin. Il est juste ici, il est quand même assez grand hein, mine de rien. Et quand on le voit comme ça, franchement je trouve qu'on dirait quand même pas mal un vrai. Je suis assez fier de moi, le fait que ça soit pas juste une photo bête et que ça soit vraiment un logo qui ressort. Et bah franchement ça rend super bien. En plus l'impression 3D, je sais pas si on le verra avec la lumière, mais là c'est une sorte d'effet un petit peu matelassé dessus. Et du coup je trouve que ça rajoute un petit plus en soi. Et franchement j'en suis vraiment très fier, je suis content d'avoir pu faire ça, j'avais envie de le faire, j'ai réussi, je suis content. Voilà, c'est juste c'est de l'autosatisfaction, auto-satisfaction, ouais, satisfaction. Franchement j'étais très content de partager ça avec vous, surtout de pouvoir vous partager toute cette timelapse. Ce logo il est quand même assez grand, vous voyez, si je le mets dans le décor ça prend vite beaucoup de place. Et je pense qu'il n'apparaîtra pas tout de suite dans le décor, dans le sens où bah, celui-ci est quand même assez limité à ce jour. Alors peut-être que je pourrais le mettre au-dessus, je vais voir, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais d'ici quelques temps je risque de changer de décor et en fait simplement changer de pièce. Donc à ce moment là je lui trouverai une place pour trôner et puis voilà, pour kiffer tout simplement. Je l'ai pas fait pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites moi en commentaire si vous aviez des idées d'amélioration, parce qu'à tout moment je peux en faire un deuxième. Tu vois genre ça m'a pas pris très longtemps. Et en plus de ça c'était un moment que j'ai kiffé faire. Donc si jamais quelqu'un me donne une idée de génie en mode oh t'aurais dû faire ça comme ça comme ça, et que je trouve ça vraiment bien, bah pourquoi pas en refaire un autre, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!